Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Book of Horrors. On continue notre aventure. Shobiti nous a rejoint et elle veut absolument qu'on ouvre la plage, je ne l'ai jamais fait. Donc on va le faire. Il nous faut un Winter level 2 et pour ça on a notre sympathique Mr. Kyle. Je viens juste de la relancer, Zikino la VOD. Donc on va lui demander de l'aide. On va également travailler un peu sur notre catalogue. Donc en gros, alors je crois que la... Quasiment dans toutes les pièces, pareil, on va trouver des livres inconnus à cataloguer. Il y a aussi des livres connus, typiquement ce livre-là. C'est un livre spécial qui nous permettrait, si on arrive à l'utiliser correctement, d'avoir des compétences. Le problème, c'est qu'il faut un challenge de type Tallyprice, un challenge de type Knock de niveau 4. Donc c'est pas des trucs qu'on va faire tout de suite, même si on les trouve très vite. Et là, c'est carrément Sky de niveau 6. Donc même si on les trouve très vite, c'est assez improbable qu'on puisse travailler dessus très rapidement. Il y a peut-être pareil des starters qui permettent de le faire, mais je pense que c'est pas pertinent. On va essayer de cataloguer nos premiers livres là pour avoir déjà ce qu'il faut. Toi t'étais de type forge, ouais. Et pour ça il nous faut un souvenir de type moon. Ou... de type moon. Ah, c'est marqué. Quand vous avez mis cette compétence dans l'arme, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, on a gagné Ereb. Donc on a gagné Ereb, très bien. Trouver un endroit avec un aspect qui match, et vous pourrez utiliser le skill une seule fois pour combiner deux cartes d'Ereb en une carte plus grande. D'accord, ok. Alors ça, j'ai jamais fait encore. Ah, excusez-moi, j'ai mute tant bien que mal pendant que Shobiti se mouchait. Shobiti est malade. Oui, Shobiti est malade. Bah oui, bah, Shobiti est malade. Hein. Pas bien ma faute quand même. Ici, on va travailler un peu. Alors, on va pas retourner chercher des matériaux parce qu'après, il faut les ranger. On n'a pas tant d'endroits. Genre là, ma plaque de granit, je sais pas bien où je pourrais la ranger. Sur la bibliothèque, parfait. Nickel, merde, j'ai mis pause. Je voulais monter. Je pense pas que je pourrais remettre mon livre là. Alors ici, on a l'aide de notre ami le Coffin Maker. Et si je me gourre pas, voilà, il est Winter level 2. Donc on va pouvoir le mettre ici. Et on débloque des animaux. Ok, c'est un peu comme là en fait. On peut visiblement s'y balader. J'imagine ramasser des trucs différents. Donc il faut une connaissance de type Moon aussi, donc le Wolf pourra y aller. Et un effort de type Elf. Bah on va y aller du coup, c'est parti. Ouais, vraiment pas mal l'instar de pouvoir aller par là. Et ici, il nous faudrait l'aide. On va ouvrir là, avec l'aide du forgeron. Toc. On lui file ce qu'il faut. On va ici, on est en train de travailler pour faire des sous. Ici, est-ce que j'ai de quoi lui parler? Non, j'ai plus de quoi lui parler, du coup. Alors là, on crame assez vite notre thune. Hein. C'est un peu gaffe quand même. Alors, on a trouvé ce livre. Journal de chasse de Brian DeWolf. Troisième baron, le fils du troisième baron de Bonne Creek. Ok. Très bien. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Oh, challenge de mystery level 8. Bah, pour l'instant, on peut rien en faire. On va le ranger, mais est-ce que j'ai la place? Non, j'ai pas la place de le ranger. C'est à cause de ma plaque de granit, là. Voilà, foutre ailleurs la plaque de granit. Est-ce qu'on aurait pas un petit endroit, là? Alors, toi, je te mets. Non, je peux te mettre qu'au centre. C'est pas très grave, on va ouvrir des pièces, on trouvera d'autres endroits pour le moment. On tape sur la bibliothèque. On va cataloguer le dernier livre avec notre Ereb là. Il va peut-être falloir qu'on se récupère quelques skills pas fatigués aussi pour la journée. Ah, ici on a fini un truc.
Ok, on a l'aide du forgeron. Parfait. Le forgeron, il va nous ouvrir la pièce en haut des escaliers. Vu que tu as fait plusieurs départs, les bouquins ont l'air identiques d'une partie à l'autre ou ils sont différents? Alors les bouquins là sont différents. Enfin, il y a toujours ces deux livres là. Par contre, ceux-là, c'était pas les mêmes que j'ai catalogués la dernière fois. Et le journal aussi est différent. Par contre, j'ai pas vérifié si pour chaque star c'était toujours pareil ou si c'était vraiment random. Ça, j'avoue, je sais pas dire. Là, on a terminé un truc. On a terminé ici. On récupère 6 peines, c'est toujours ça. On va reposer Shaft. Pour pouvoir papoter avec éventuellement le révérend et ouvrir là. Là, on en est où? Il y a un chiffre là, ouais, 23 secondes. Alors, ils vont sortir un DLC en septembre, j'ai vu ça totalement par hasard. Il y a un DLC qui va sortir, qui va permettre de rajouter notamment la possibilité de cuisiner, de faire des repas, d'inviter des gens, donc ça va rajouter d'autres pièces et d'autres possibilités de craft. Allez, ouvrons cette pièce. Voilà. Bah, tiens, on a récupéré ici. Alors là, du coup, on récupère quoi? Une clé. Excellent. Une clé de Hush House. Alors est-ce que j'aurais... Bah non, ça sert à rien, j'avais une clé de toute façon. J'avais une clé là. J'avais une clé dans le truc pour... dans la loge du gardien pour ouvrir la porte principale, mais... Est-ce que ça me permettrait d'ouvrir autre chose? Knock level 3, Winter level 3. Et une clé. Mais pour unlock, il faut forcément de l'assistance. Ok, bah j'ai une clé qui me permettra peut-être de faire un truc un jour. Très bien. Putain, c'est gros une clé. Vache. Parfait, j'ai une clé. Nickel. Et on a découvert cet endroit. Donc encore des livres. On a des livres. Ici, on a notre première fiole d'encre. Fiole de pouvoir mineur. Qui notamment va nous permettre de répondre à la lettre du libraire si on le souhaite. Ici, on a un miroscope. Ok. Du papier vierge. Toujours pratique. Le baron Silence Astrolabe, l'astrolabe silencieux, ok. Des petits tableaux, et donc ici on a notre premier bureau qui va nous permettre de faire des choses, et donc notamment de répondre. Alors par exemple on pourrait dire, bah voilà, je veux répondre à la lettre, alors il me faudra un sou donc je vais pas pouvoir le faire, mais on veut répondre avec cette encre. Et comme ils disent, on peut ajouter une soul card pour déterminer le ton de la lettre. Donc on verra demain, quand le jour sera passé. Selon le soul qu'on met, on va pouvoir répondre, ça va de l'agressif en mode « Ouais, c'est pas avec l'argent que vous m'avez donné que je vais faire quelque chose » à « Je suis super content, envoyez-moi des gens, ça marche super bien » et toutes les nuances au milieu, parmi ces quatre aspects-là en tout cas. Ok, c'est parti, on laisse le temps passer un peu. Donc si on veut ouvrir en haut, il nous faut du Grail level 2 ou du Sky level 2. Je suis pas sûr que même la midwife elle peut s'en occuper. Elle est optionnelle, mon assistance. Non, ça c'est essentiel, ça. Ça c'est essentiel, c'est toujours en haut essentiel. Et en deuxième, c'est... au moins l'un de ces trucs là. Et éventuellement en troisième, ce qui est interdit. Faut qu'on le voit dans le lit là. Voilà. Il faut forcément que ce soit un occupant. Il faut qu'il soit Earth ou Interested in Earth. Et il faut qu'il soit ni fatigué, ni malade, ni quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est la vie. Alors ici, on a récupéré Shaft. On peut pas mettre les malades dans le lit, c'est l'intérêt du lit, c'est vrai. On peut lui parler. Et on peut lui mettre un shilling.
Et du coup, on a plein de livres à cataloguer. Donc c'est un peu dommage que nos sous soient fatigués, mais est-ce que ça vaut la peine de payer pour qu'ils se remettent en route? Je suis pas sûr. Là, avec le révérend, on va ouvrir cet endroit-là. Ou celui-là. Non, plutôt celui-là, du coup. Si je régénérais Ereb, je pourrais demander à la midwife de m'ouvrir le truc du haut. Mais payer 2 pence pour ça? Non, ça vaut pas le coup. Par contre, ce qu'on peut faire, vu qu'il est tôt, c'est payer 2 pence et après se mettre à travailler. On régénère 6. Parce qu'on en a tellement utilisé là. Bon, après, il nous reste les 60 là, mais. Après, en vrai, si on recrutait des gens, déjà, il faut payer de l'argent pour payer un coup et voir qui est recrutable à la taverne. Et après, ils coûtent tous au moins 24, alors que eux coûtent 12. Donc, l'un dans l'autre, on utilise moins d'argent techniquement, mais. Mais si vous commencez avec le Rector, vous voyez qu'avec lui, si je l'avais pris comme personnage de départ, déjà on pouvait quasiment tout ouvrir avec lui tout seul, quoi. Gratos. C'est pour ça que je disais qu'il permet d'avancer très rapidement dans les premières pièces de la Hush House. On va laisser travailler un peu, boire un coup. Est-ce que je peux pas poser ma plaque de marbre là? Non. Ah tiens, là c'est des. On peut mettre des livres là. La clé, elle dit que elle est suffisamment lourde pour qu'il y ait besoin de deux mains pour la tourner. Et suffisamment lourde pour assommer quelqu'un, même si vous aurez besoin de deux mains aussi pour ça. Très bien. Et type Nock level 3 à Winter level 3, et en fait c'est déjà assez élevé un hein, niveau 3. On devrait pas en voir avant d'être arrivé vers ici. Donc c'est pour ça que je pense que pour le moment c'est pas un objet pour le départ quoi. Rien faire avec notre reine là? Non. Alors là avec l'encre qui est disponible ici, on pourrait essayer d'écrire dans notre journal. Mais le journal a besoin d'encre de puissance. Et comme celle-là est Minor Ink of Power, ça peut foirer. Donc, vu que l'encre est relativement rare, je vous conseille de ne pas essayer, sauf si vraiment vous avez envie de faire quelque chose ou qu'il faut que vous avez un souvenir que vous voulez absolument utiliser. Allez, on va finir la journée en travaillant un peu. Ça va nous faire des sous. Et là, on a ouvert le cloître. Donc, dans le cloître, il y a juste du jardin. Et il nous faut une compétence de. Une connaissance de type nectar. Une compétence de type nectar. Ah non, parce que le thé, c'est. Déjà, c'est pas de type nectar, et puis c'est pas un skill surtout. Là, on a ce livre-là, qui était de type nectar, mais pareil, c'est un codex, c'est pas un skill. Il faut un skill ici. Je crois pas qu'il y ait de starter qui permette d'avoir un skill de type nectar. Ça ne me dit rien. Même la midwife que j'ai très vite survolée, je crois pas qu'elle permette de le faire. Après, il faut qu'on apprenne, c'est tout. Moi, avec cette memory, on devrait pouvoir, mais. Mais il nous faut. Bah, il nous faut de l'encre. Ça. Ok, on a récupéré un petit peu de pence. On va pouvoir laisser passer la nuit. Utiliser ton pouvoir pour créer de l'eau. Je peux pas utiliser mon pouvoir pour créer de l'encre. Bah, si je trouvais un établi qui allait bien, oui, mais de toute façon, il me faudrait sûrement un aspect pour travailler. Ouais, il me faut forcément un aspect. Mais on va essayer, hein, on va essayer ça. Je vais mettre un soul card. Du coup, puisque ce desk permet de travailler sur le winter, donc le winter et le moon. Donc on va essayer de fabriquer de l'encre, de voir les ingrédients qu'il nous faut. Peut-être qu'on pourra trouver, peut-être avec du thé ou on a du café ici. Est-ce qu'on a des choses intéressantes? Là, c'est pour servir. Alors ici, vous voyez, on peut fabriquer du thé, par exemple, en le mettant ici dans le fireplace. Qu'on va pouvoir après servir. On va aussi pouvoir, on a une bouteille de vin, on peut servir du vin si on le souhaite.
Ça va nous permettre éventuellement de faire en sorte que les visiteurs qui viennent restent plus longtemps. Si jamais on n'a pas, par exemple, les bons livres et tout, on peut essayer de les faire rester un petit peu pour qu'ils se sentent à l'aise. Bah oui, maintenant la journée est passée. Du coup, on va tout de suite regarder est-ce qu'on peut fabriquer de l'encre. Donc je mets ma compétence. Il nous faudra un truc de type printer. Là, c'est level 2. On va mettre celui-là. Ok, là, on peut crafter quelque chose. Eigengrau. Eigengrau. Si on arrive à aller jusqu'à 10 en winter, on pourra faire autre chose. Alors, je vais pas mettre ma leçon, ça c'est sûr. On pourrait mettre du papier pour mettre lui. Ouais, mais il est pas. Il ajoute pas de winter, lui. C'est pas très intéressant. Les papiers qu'on a là, qui sont de type nectar, c'est du papier de base. Du papier de base de type de base. Et Wiz, c'est. Ah oui, il faut de l'encre. Mais là, on peut déjà crafter juste ça. On va le faire, hein. Crafter, ça fait quand même. Alors, c'est pas nécessaire pour gagner le jeu. Il y a pas mal de gens d'ailleurs sur Steam qui sont pas qui en plaignent peut-être pas, mais qui sont en mode oui, bah c'est un peu dommage parce que du coup, on peut pas vraiment. Enfin, crafter est pas nécessaire dans le jeu, donc on peut complètement s'en passer. Moi, je trouve ça rigolo de crafter. Ici, on commence déjà à être sur du challenge level 3, cela dit. Hein. Ici, on est encore sur le level 2. On va essayer de voir si Mrs. Kyle, elle peut nous ouvrir la pièce du haut. Et je pense qu'on va retourner visiter ici. Est-ce qu'on travaille? Ouais, on va faire un peu de sous. Alors si vous n'êtes pas dessus, en haut il y a toujours le petit bouton ici qui vous dit quand il y a quelque chose de complété. Qui devient. Normalement il est gris. Et quelque chose de complété il est plus gris et si vous cliquez dessus et qu'il y en a plusieurs, il vous fait passer entre tous les trucs complétés. Ça c'est pratique. Alors, toi, t'as. Ouais, t'as Grail level 2. Parfait. Grail c'est tout ce qui est la vie, l'envie de grandir, etc. Donc vu qu'elle est sage-femme, je me disais bien qu'elle devait avoir ce qu'il fallait. Ici, on va débloquer la lunette d'astronomie qui va nous permettre également de crafter des choses, mais je pense qu'on n'aura pas les skills avec ce start. On est plutôt sur de l'optique, de la recherche. La craft. Alors, pendant qu'on y est, qu'on fait rien, on va cataloguer un livre. Hop, c'est parti. Parce que c'est extrêmement frustrant quand les visiteurs commencent à arriver et qu'ils demandent un truc qu'on n'a pas et qu'on a plein de livres non catalogués. Et là, on est en mode eh, lequel je prends? Puisqu'ils attendent un certain temps, après ils s'en vont, bien sûr. Est-ce que j'aurais pas intérêt à les ranger par couleur? Oui, à terme, sûrement. Pour le moment, on n'en a pas assez. Pour le moment, si jamais je veux savoir quel livre j'ai 10 clics à faire, ça va. C'est pas. Mais oui, à un moment, c'est une bibliothèque, il faudra qu'on les classifie, tout à fait, Chobiti. Je sais que tu aimes classifier. Alors, qu'est-ce qu'on a créé? Cooking ingrédients. Alors ça, c'est marrant parce qu'ils disent que ça sera utile avec le DLC. Donc, ils ont dû faire un petit patch pour indiquer déjà les trucs qui sont utiles pour le DLC. Restaurative, ça pourrait nous aider à récupérer des maladies. C'est un beuvrage, mais il est intoxicating. Il est de type liquide. Ok, donc c'est un genre d'huile plus ou moins buvable, mais quand même pas ouf, quoi. Ça fait pas de l'encre, non. Il doit falloir plus de compétences pour ça. Pas grave. Ici, il y a un autre truc qui a terminé. Tiens, bah parfait. On a travaillé un peu. On va régénérer notre twist. Hop. Là, on a terminé de cataloguer. Là, alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? The Radical Mesure. Waouh, Rose level 10, excellent. Curia période.
Très bien. Faire un autre. Et du coup, c'est marrant parce qu'il était bleu et je vais. Ouais, la couleur des couvertures quand ils sont pas catalogués n'a aucun rapport avec la couleur finale du livre. Ouais, c'est un truc à faire attention. Bon, ce sera trop facile. Et hop là, on a débloqué le haut de l'entrée. Donc le haut de l'entrée, il y a assez peu d'objets. Tiens, si, il y a un petit truc que j'avais raté ici. Un petit verre. Des livres non catalogués, mais surtout il y a la grosse lunette, le télescope, où on va pouvoir, pareil, fabriquer des choses. Suis pas sûr qu'on va pouvoir y faire grand-chose là. Alors, il y a du potentiel ici. Le sun, ça correspond pas du tout. Ah oui, non, d'ailleurs, le health s'est même pas mis dans le soul. Il s'est mis dans le plus, ouais, il donne un bonus, c'est tout. Il apporte pas. Je peux pas travailler avec. Okay. On verra quand on aura récupéré nos twists. Ici, pour ouvrir, il nous faudra un knock level 3. Je crois que le prêtre a ce qu'il faut. Ici, par contre, il va falloir qu'on embauche quelqu'un. Le Walled Garden, level 4. On doit pouvoir trouver des musiciens ou autres qu'on sait à level 4. Oh, on a trouvé un petit poisson. On a trouvé un petit truc d'anchois en boîte. Ça permet de se nourrir. Alors, je pense pas qu'on ait vraiment besoin de se nourrir, hein. Jamais eu besoin de manger jusqu'ici. On a trouvé Musgrave Sketch. Ok. Quatrième baron écrivait des trucs. Alors le quatrième baron, c'est pas le fils du troisième baron du coup. Brian DeWolf. Musgrave, non, ok, il a pas dû hériter d'une manière ou d'une autre. C'est gros ce machin, on peut le poser. Oh, trop mimi. Oui, je m'attendais à trouver des œufs ou des trucs du style aussi, hein, mais. Alors, on n'a pas encore récupéré notre truc. Est-ce qu'on peut utiliser notre. C'est bon, les pilchards à la tomate. Ouais, je sais plus comment on dit, Glentary. Il me semble qu'il y a un mot français pour ça. C'est pas des achats. Je sais plus comment on dit. Lui, il me perturbe parce qu'il est sur fond orange, mais c'est de type moon. À chaque fois, je me fais avoir. Faut qu'on attende d'avoir notre twist. On va voir si on peut faire des choses avec le Wolf Story. Même s'il est level 1. Alors ce qui est assez sympa aussi, je sais pas si vous voyez, regardez les objets. À chaque fois que vous passez la souris sur un truc, ça vous surligne tous les objets qui sont de ce type. Ça peut permettre de faire des souvenirs, de générer des souvenirs. Je me demande si avec ça d'ailleurs, on pourrait pas générer un souvenir en lien avec la moon. On va essayer. On va cramer Else. On le consomme pas, on peut se permettre de le faire, ça coûte pas cher. On est où toi? 3 secondes. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses avec ça? Donc ici, on peut bien travailler sur du moon. Ah non, c'est pas moon ça. Ah, c'est pas moon. Qu'est-ce qu'on a comme aspect qui a du moon? Priest a du moon. Bon, après, on aura Moon level 3. Ça nous fera. Ouais, c'est ça. Un ici, plus un là, donc ça fera 3. Il nous faudrait. Le truc le plus basique, c'est 5. Je peux pas rajouter un deuxième skill. De toute façon, là, j'ai fait le Winter. Le Moon va probablement nous permettre de crafter un autre truc en rapport avec le Moon. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour monter le niveau de Moon là. Avec ça, je passe level 3, mais c'est pareil, je vais pas cramer ça pour un truc pareil. Des grosses sardines. C'est ça, ouais, je suis pas sûr que ce soit exactement des sardines, mais. Après, c'est vrai que.
C'est peut-être le fait de les préparer comme ça a l'air d'être à la tomate. C'est peut-être les sardines dans les boîtes à la tomate qu'on appelle comme ça. Peut-être la manière de les accommoder. Alors, quel souvenir on récupère? Ok, on récupère un souvenir de type site. Ça va pas trop nous aider. Est-ce qu'on a des choses de type moon? Les chaises, c'est de type moon. Ok, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, on va essayer de voir quel souvenir nous revient d'une chaise. Prendre un petit fauteuil cosy, quoi, pas une vieille chaise toute moisie. Elle est très bien cette chaise, elle a des petites mousses. Il est tôt encore. On va essayer de reposer ça du coup. Si jamais on peut pas crafter de trucs, on travaillera à la place. Si aussi on peut travailler sur le moon. Par contre ici on peut mettre du papier et un objet bonus, alors que là c'est n'importe quel type. Demain on utilisera encore un petit peu plus de l'argent de Chobiti pour aller ouvrir nos pièces supplémentaires. On a récupéré une memory touch. Ok. Donc ouais, ça dépend pas de leur type en fait. C'est vraiment les objets craftés donnent du toucher, les objets visuels donnent du sight, parce que quand on analyse aussi un truc comme ça, on obtient un sight aussi. Une memory sight. En Belgique, on appelle pilchard les sardines en conserve préparées à la sauce tomate. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc, une histoire de tomate là. Ok, bon, on va passer le temps. Je pense pas qu'on arrivera à avoir de souvenirs aussi nébuleux que Moon. Ça dit, si j'avais un souvenir aussi nébuleux que Moon, je pourrais m'en servir pour améliorer ma compétence. Donc, t'aurais peut-être un peu chier de s'en servir pour crafter un truc. Ça, si je l'analyse, est-ce que ça la détruit? Mais j'ai pas de soulcard. Viens, petite soulcard. On n'a jamais assez de soulcard, hein, vous voyez. Il y a toujours un moment dans la journée où T'as rien à c'est la battre dèche. pour gagner. Non, dans l'arbre, je peux mettre que des skills. Je vais faire quoi? Je voulais analyser ça. Que ça détruit? Ouais, non, c'est voilà. On dissout les feuilles, donc pas très intéressant. Donne du sight. Du coup, on va regarder. Hop, là du coup je peux mettre ça. On est au level 3, c'est pas assez. Ouais, ça m'ajoute pas du tout ce qu'il me faut. Même là, on n'arrive que level 4, donc ça sert à rien. Peux pas ajouter de deuxième skill, je peux pas mettre les sous, non. Non, mais il fait beau, alors on est baisé quand il fait beau, on est quelqu'un de la nuit, nous. Du coup, on va le mettre à travailler. Alors avec ça, on dit la bonne aventure. C'est parfait, on va dire la bonne aventure pour la fin de soirée. C'est pas de type nectar, ça. Est-ce que je pourrais utiliser ça? On est d'accord. Je peux pas mettre mes pitchards là pour avoir un bonus en moon. Ça va être un petit peu bizarre. Là. Ah, j'ai eu que two pence seulement. Oh, c'est moche. C'est moche. Ouais, Chobiti, elle a des gros problèmes de tout là.
Allez, on va faire passer la nuit. Si c'est du Winter level 3, je suis pas sûr que... On va vérifier, mais... Je suis pas sûr qu'il puisse le faire, notre copain, là. On va cataloguer un peu. Tous les matins, on catalogue un peu. Tout avec else. Non, je peux pas mettre else. Non, je peux pas mettre else. Hop là. Et il pleut. Alors, il pleut, mais ici, on a dit que je pouvais... Il me faut une connaissance. Hein. Ouais, je peux pas mettre la plume. Salut Squash, bienvenue sur le live. Tu confirmes pour les pilchards, en belge que tu es. Ah, il neige. Non, c'est absolument pas. C'est moi qui ai mal vu. Donc toi, tu es... Ouais, t'es que level 2, donc tu vas pas pouvoir ici. T'es pas assez fort pour unlock ça. Est-ce que tu peux unlock ici? Non, c'est du level 3 aussi. Donc malheureusement, je crains qu'ils ne nous servent pas. Et lui... Je sais plus quel niveau il a. Je crois qu'il a Knock level 3. Du coup, c'est pas Zikino, c'est Wikino. C'est pas Zikino, c'est Wikino, nous dit Shubiti. Parce qu'il a copié-collé de Wikipédia. Ouais, je pense que lui, on peut l'embaucher. On va lui filer, c'est un shilling. Et puis bah lui, est-ce que je peux lui parler? Ça fait quoi si je lui parle? Ah, je peux lui donner un truc. Ça sert à rien. He can make use of wood. Je peux lui donner un objet, je peux lui donner genre ça. Ça augmentera ses aspects. Ah, du coup, il va avoir Knock maintenant? Ah, bon, on va essayer, tiens. On va regarder ce que ça fait. Ça, j'ai jamais essayé encore d'améliorer. Je sais qu'on peut les améliorer parce que fatalement, bah, on voit, on est déjà coincé, mais jusqu'ici, j'avais jamais été coincé donc. Alors, on a débloqué Black Néphrite. Le journal des rêves de Valentine Deswolff. Il enregistre ses visions d'une place qui n'est pas une place. Plus loin que la maison qui n'est pas une maison. Ah, tiens, c'est les Wolf Stories le sujet là. On pourra peut-être en faire quelque chose. Est-ce que je peux mettre ces livres-là, là? Du coup. Mon seul moon, je crois qu'il est parti ailleurs déjà. Ah, non, il est derrière. Ah, il est derrière, je l'avais pas vu. Alors, vous avez à me donner de la moon, mais pas suffisamment. Tu m'étonnes avec 1 pour 6. Est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de moon? Bon, on peut essayer, mais c'est pas sûr que ça marche. Bah, on va essayer. Hein. On va essayer pour voir. Alors là, on a récupéré l'aide de notre cher Rector. Et lui, il est... Ah non, c'est pareil, il est que level 1 et 2. Donc ici, il pourra pas. Et ici, il pourra pas. Ok. C'est embêtant. On va voir ce que ça fait d'ici de lui avoir filé le bois. Et éventuellement, on verra si on peut améliorer les compétences de notre cher Rector.
Ok, donc ça lui a débloqué Knock. Pourquoi pas. Rigolo. Est-ce que ce que je peux faire avec lui, c'est faire ça et lui filer la clé? Lui filer les sardines. Je peux lui filer les sardines. Excellent, ça ne sert à rien. Il nous faudrait un truc de type lanterne ou Knock. Marqué candles. Candles. Non, j'ai pas de candles. Si, peut-être là. Ouais, mais du coup, ça lui donne pas ce que je veux. Je voudrais de la lumière. Je peux lui filer genre un miroir? Non, c'est con. Une chaise? Collabore avec une chaise, mec. Un buste? Non. Parce que le candle c'est bien, mais le candle ça améliore pas les trucs que je veux, ça lui en donne des nouveaux. Mais cette candle ne m'intéresse pas. Ça pourrait améliorer le winter. Si je mets lui, que je mets ça, il passe winter level 3. Ouais. On va les améliorer. De toute façon, ces personnages-là, ils vont rester, donc on a tout intérêt à les améliorer. Très bien. On n'a rien qui travaille ici, ça m'embête un peu. On va faire un petit peu de sous. Je peux faire dans la plage, ouais, essayer de trouver, voir si on trouve autre chose dans la plage, mais je pourrais aussi cataloguer. Un petit livre, il nous en reste deux là, plus les quatre ici. Dès qu'on va ouvrir des pièces, on va en avoir encore plus, hein, donc. Hop. Et du coup, on va aller sur la plage. Qu'est-ce que la mer nous a apporté aujourd'hui? Du pichon, des pichards en boîte. On a du pain, hein, on pourrait faire des toasts de pichard. Hein. C'est terminé en même temps. Alors. Ok, la sagesse de Ezan Fekri. Un soigneur ambulant. Un herbier, ouais. Et là, du coup, il est devenu un peu plus expérimenté en winter. Mais ça ne nous aide pas. Ah si, il va pouvoir ouvrir là maintenant. Excellent. Il peut ouvrir cette pièce. Et ici, il faudrait qu'on ait quelque chose de type Knock. Mais alors, ça m'étonnerait qu'il y ait grand-chose de type Knock. Il y a la clé et il y a le miroir. Le miroir, là, cassé. Et de type Knock. Ça sent l'arnaque, je trouve. Ou alors il faudrait du rose. Bah on va lui filer la chandelle, hein, limite. Ça le fera travailler un petit peu. Hop. Hop. Allez, go. Je crois que sur lui on a aussi débloqué le moon. On va pouvoir lui filer les pilchards pour qu'il soit un peu plus élevé. Ça fait quoi là? Oula, wow, c'est quoi ça? Ah, j'ai des opportunités pour mettre plus de soul pour essayer de. On dirait. Une opportunity to use a weather card. Alors, du coup, là, c'est du soul. Ah non, d'accord, ok. Là, c'était le soul. Et là, maintenant, je pourrais essayer de mettre un objet du bon type.
Alors, Wither. On va essayer, hein. Ici, on a terminé ça. Très bien. On fait un peu de sous. Et lui, le Rector, il est devenu... Il a commencé à travailler sur Rose et il a forge aussi un petit peu. La conversation sur le pilchard. Et bah écoute, Glentary, le pilchard est en gros des sardines à la tomate. Voilà. Pour les Belges. There is still a chance. Alors là, on peut mettre une Sing. Et on était sur du Moon, hein. Des Sings de type Moon. Non, c'est Mystery, ça. Faut que je trouve un Moon, voilà. Les chaises. On va mettre un fauteuil. Et ben alors, c'est pas une Sing? Ah non, c'est un confort, ça. Raté. Ouais, des chaises, des Sings de type Moon. Hiver là. Voyons. Alors ici, on a trouvé le Whispering Sand. Stable qui parle. Fort bien, de type Moon, ça c'est cool. Je sens qu'on va se foirer ici. On a mis un truc mais qui colle pas du tout. Hein. Ok, on s'est raté. On débloque un memory de type Regret qui est type Winter, intéressant. Bon, on est fatigué mais on n'est pas malade, c'est déjà ça. Ah bah oui, les objets ils sont consommés, ouais, ça me surprend pas. Ok. Alors du coup, si je voulais faire ça... Ah mais j'ai pas d'effort. Ah, on est toujours fatigué dans cette maison. C'est le bordel. Toi, viens là. Il n'y a rien qui travaille ici. Il est quelle heure? Ça vaut le coup. Si on voulait faire ça. Non. Ça. Ah. Ça. Il nous faudrait un truc de type Moon ou de Winter. On a une mémoire de type Moon ici. Non, de type Winter. C'est pas mal. Donc il nous faudrait notre Whist. Il est où notre Whist? Il est là. Poser. Et en attendant, on a ouvert cette pièce. Solomon Study. On a trouvé un papier de type Winter, intéressant. Du Whispering Sand, bah tiens, on avait déjà. Parfait. Ça, c'est pas un objet. On a de l'encre ici. Deadly. Ok, très bien. Il faut utiliser des gants pour lire les textes qui ont été produits avec ce pigment. Ah ouais. Carrément, quoi. On a de nouveau des chandelles de type Moon. Celle-là, elle pourrait permettre de booster le Rector un peu. Viens là, mec. On te donne ça. Tu vas passer level 3 ici. Allez. Et un buste du révérend Solomon qui m'a l'air d'avoir une tête intéressante. Et cette pièce où il faut
Du niveau 4 pour la débloquer. Bah écoutez, allons-y pour du niveau 4. C'est fini. J'ai pas fait là, non? Je crois que je l'ai pas lancé. Non, j'ai pas dû le lancer. Voilà. Ah ok, non, c'est que il... Ah, une seule fois par jour, ok, très bien. Oui, bon, c'est vrai qu'après, ça serait peut-être un petit peu pété, sinon. Du coup, malheureusement, il ne peut pas nous aider là, il ne peut pas nous aider là, et il peut pas nous aider là non plus. Bon bah, tant pis, il ne peut pas nous aider. On aura perdu de l'argent, j'oublie-t-il, de l'argent. Terrible histoire. Est-ce que je peux le mettre là? Il a déjà sa maison. Allez, j'aimerais bien pouvoir utiliser ça, s'il vous plaît. Je peux voir si je peux monter ça niveau 4. C'est cool. Enfin, niveau 3 plutôt. Ou s'il faut que j'ai une leçon niveau 2. Et 2, 1, hop là. Du coup, on veut travailler sur ça. Il nous faut ça. On est déjà level 5, c'est pas mal. Il nous faut une leçon. Il nous faut deux mémories. Hein. Pas de bol. C'est pas le... Ça va devenir compliqué. Oui, bah après, on veut le monter niveau plus, donc c'est pas déconnant. Hein. Tac, tac, tac. Oui, toi, Dieu son, j'ai pas régénéré ce qu'il faut. Il faut du Moon. Le Moon, c'est lui. Une leçon. Cette leçon-là, on sait qu'elle marcherait. Une mémoire de type Moon, et celle-là, c'est de type Winter. On peut rien en faire alors? Est-ce qu'on peut essayer d'utiliser cette sympathique encre? Travailler sur notre livre. Wow, niveau 20 là. Memory. Ça. Alors là, il y a un truc. A determination. Quand le bibliothécaire de Hush House détermine la réponse à l'un des grands mystères, la maison elle-même paye attention. Enfin non, les heures elles-mêmes payent attention. Il m'a tendu 20. Waouh. Ah ouais. Alors là, en plus, on a un peu de tout, donc c'est absolument pas focus. Non, là, c'est pas possible. Même si je mets ça, on peut recrafter du N-Grow, mais ça ne sert à rien. Non, ok. Bon, pas pertinent. Pas pertinent. Par contre, on va peut-être pouvoir ouvrir la bibliothèque. On va mettre l'encre de base. Et du coup, si je réponds comme ça... Alors, je suis ici, mais... Alors, comme je vous le disais, c'est vrai que je ne vais pas montrer, du coup, j'ai pas pensé, mais selon les souls qu'on met ici, les aspects qu'on met ici, le ton de la réponse peut être différent, et notre aspect principal, on est un peu en mode... Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Et ça me va bien. On va répondre comme ça. On écrit notre réponse. Ce serait pas mal de commencer à avoir quelques visiteurs capables de nous... donner des vrais sous. On a une nouvelle mémoire de type lanterne. Ça nous sert à rien, on est toujours pas de la journée, nous. Par contre, la poste, il fait pas encore nuit, hein. Alors, on fait une réponse et il faut un pence.
un petit timbre et on est parti. On récupère notre monnaie et donc du coup à partir. Alors si jamais, je vous l'ai pas dit, mais quand on met de la thune à la post mistress, bon alors il faut suffisamment de thune, genre la crown, elle est capable de la casser en monnaie. Mais bon, enfin, franchement, j'ai pas trop vu l'intérêt jusqu'ici. Est-ce que je peux collaborer sur une memory? Ça le booste pour le reste de la journée. Ça va être un peu tendu. Mais si on arrive, si se barre pas la nuit qui tombe, il y a moyen. Et donc là, à partir du moment où on a répondu à leur lettre, on peut s'attendre à avoir des gens qui viennent. On va avoir des événements avec des nouvelles du monde, etc. Et des gens qui vont venir en discuter, genre des trucs d'archéologie qui ont été trouvés ou des mystères qui ont été révélés. Et ils vont chercher des informations à ce sujet-là. Ok, là du coup, il est level 4. Et avec un level 4, on peut ouvrir là. On peut ouvrir là, on va ouvrir là. C'est parti. Et là, il peut plus partir, même s'il fait nuit. Il est obligé de finir. Comment ça, salaud ? Mais comment tu contournes la législation Ah bah, c'est pas du travail caché. C'était jusqu'à la fin de la journée. C'était the rest of the day. C'est immense cette demeure, c'est un château. Bah, c'est notre bibliothèque, Glen Taryl. Avec toutes les pièces qu'on va pouvoir débloquer. Et à la base, c'était une abbaye. Et maintenant, c'est notre bibliothèque. C'est Hush House. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans cette pièce? Oh, c'est une chambre, on dirait. Solomon's Quarter. Alors, on a un lit. Guest bed pour Solomon. Alors, Julian Cosley et Solomon Usher, deux grands sages de l'hiver, ont dormi dans ce lit. Bien que pas en même temps. Personne, apparemment, n'a jamais réussi à dormir tranquillement dedans depuis. Donc, on peut quand même utiliser une carte pour faire en sorte que ce soit notre lit. Ou alors, on peut mettre un visiteur ici pour l'encourager à rester un peu plus longtemps. On a des candles. Non, on n'a que cette candle-là. On a des livres de nouveau. Et un petit truc là. Isselwater. On a une grande tapisserie. Il y a longtemps dans ce pays, on ne construisait pas une église avant d'avoir sacrifié un taureau blanc pour le soleil. Solomon a amené cette tapisserie avec lui depuis, bon, bref, où que ce soit qu'il venait. Et bah du coup, on est bon pour la nuit, hein. Il n'y a plus rien qui travaille. On a réussi à débloquer ça, c'est quand même pas mal. Et c'est le jour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette belle journée? J'ai bien envie d'analyser cette tapisserie, là. Un petit peu grande pour bien viser. Hop là. Alors. C'est plutôt de Winter, donc on va mettre plutôt un pouvoir de type Winter. Même si du coup, j'aimerais bien en avoir plus de comme ça. Et donc là, on pourrait mettre notre Twist aussi. Tant qu'il n'est pas fatigué, pour faire en sorte que ce soit notre chambre. Mais j'aimerais plutôt ma chambre ici en fait. Et ici c'est du Hearst. Donc on pourrait mettre ça. On pourra ça va devenir notre lit et on pourra récupérer des maladies.
On va garder ce lit-là pour nos visiteurs. Tu leur donnes la chambre où personne n'a jamais passé une bonne nuit? Je leur donne la belle chambre. Et moi, je suis dans la loge du gardien. Ça va quand même. Je me fous pas de leur gueule. Naméo. Alors, on a un truc de type Sunny qui nous permettra d'avoir de la lanterne si on parlait avec notre ami le révérend. Ça nous sert à rien pour le moment. Là, il va nous falloir débloquer l'une de ces deux-là parce que pour l'instant, on ne peut pas progresser plus. Et celle-là. Est-ce intéressant de progresser plus par rapport à comment on est? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de booster nos assistants? Est-ce intéressant de progresser plus? C'est toujours intéressant de progresser plus. Oui, mais t'as pas lu tous les livres, typiquement. Pas lu tous les livres. Oh, t'en as encore plus, t'en as encore aussi. Je sais, il y en a plein. Ah là, il y en a un que j'ai pas fait. Ça va. On se calme. Tout va bien. Pas de stress. Et on va mettre l'épichard à côté du verre. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Memory side. Ok, c'est tout. Pas très intéressant. Pas très intéressant en vrai d'analyser ces trucs-là. C'est vraiment très circonstanciel. Bon, on va cataloguer du livre. On va aller travailler un petit peu pour faire des sous. Et est-ce qu'on aurait des choses qu'on pourrait travailler? Crafter l'huile là. On a fait quoi de l'huile? Je m'en suis servi? On s'est servi avec un des mecs, ouais. Pour éventuellement crafter d'autres. Alors, voyons voir ce qu'on pourrait faire d'autre. Là, on a 3 moons, 3 winters. Il nous faudrait de la moon ou du winter, c'est pas gagné. Certainement pas cramer ça, ça n'a aucun intérêt. On pourrait utiliser ça. Non, on n'a que 4. Et en plus, c'est du Eden Grow. Donc, ça sert à rien. On va mettre l'encre, mais ça embête un peu de cramer de l'encre. En plus, ça colle pas. Non, on atteint 5 nulle part. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Alors, est-ce qu'il y a un livre avec un challenge accessible? 10, 6. C'est celui qu'on a déjà testé, celui-là, non? Plus 6 8 8 8 cela Knock et Sky, c'est pas possible malheureusement. Moon, malheureusement c'est tendu. Moon Winter ce serait jouable, mais Moon. C'est ça, on peut aller jusqu'à 3, mais après. Ou alors je crame ça. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup! Ça vaut pas le coup. Vraiment pas. On va travailler sur les livres. Et je pense qu'on est un peu coincé pour le moment. Est-ce que je peux utiliser ça comme encre? Par contre, ça pourrait me permettre de booster le Moon de 2 quand il me propose de mettre un objet. Peut être intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Winter 10. Hop là. En fait, leur couleur dépend globalement du challenge, c'est ça? Ouais, quoique même pas, ça c'est du Winter. On travaille là? Ouais, on travaille. J'ai bien envie d'ouvrir par là quand même. Rien pour booster le révérend suffisamment.
La plaque de granit, elle faisait quoi? C'est de la forge. On va retourner fouiller un petit peu la plage. Voir ce qui s'y trouve. Quoi qui clignote, c'est ça. Là, au fait, on a transformé notre lit, non, pas encore. Alors après, je sais pas, parce que si je préparais du thé, ça ferait un truc. On va essayer de préparer du thé, hein, tout à fait. Peut-être que c'est un breuvage que je pourrais donner pour booster pareil potentiellement temporairement un truc. Et on va cataloguer un livre. Allez, travaillez, petite carte, travaillez. Là, c'est bientôt fini. Ça fait quoi du coup quand ça nous appartient? Ah. Donc là, je peux mettre maintenant, je peux restaurer. Battle for an up with a cup of something warming. Ah, intéressant. Genre, je peux mettre ça et avec mes draps là et ça marche. Et du coup, ça dure vachement plus longtemps que. Bah ouais, c'était une basket de. Par contre, est-ce qu'elle va être détruite? Ça, c'est la question. Et ici, on a du thé. Il me parle de vin alors que je cliquais sur. Ah mais non, c'est tout un service en fait, ok. Et du coup, je peux mettre ça là si on veut et ça fait des tasses de thé, ça me permet d'éviter d'utiliser tout ça d'un coup. Ok. Donc là, on se repose, mais c'est hyper long. Ah mais Chobiti me dit dans l'oreille, mais c'est gratuit quand même, c'est gratuit. Attends, c'est long, mais c'est gratuit. Hop là, excusez-nous, petite toux, on est de retour. Du coup, on a ça qui travaille. Il est encore tôt, on a ça qui se repose. Mais 1 minute 30, c'est quasiment la journée, quoi. T'étais pas étouffé parce que c'était payant sur Witty, tout va bien. Est-ce que je récupère une carte? Ça me permettrait de continuer de collecter un peu. Après, du coup, on commence à avoir du retard là pour le coup. Allez, on va régénérer Ereb. Pence. Pence, franchement, c'est pas grand chose en plus. Quoique. Et salut, Contamine, bienvenue sur le live. D'ailleurs, tu arrives bien, il faudrait que j'arrête l'épisode de VOD là. On va donc arrêter l'épisode de VOD là, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, c'est le bon moment. Je bois un petit coup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!